Bonjour à tous. Aujourd'hui, 19 mai, c'est le jour de plantation des courges. Donc c'est à peu près 6 semaines de travail pour passer de la graine jusqu'à ces courges magnifiques. Donc ici, 5 sortes de courges au jardin. Donc vous voyez la quantité que ça va donner. J'en ai juste acheté un ou deux parce qu'il me manquait sur certaines sortes. Voilà. On va voir maintenant comment procéder. Alors donc voilà le carreau qui fait 12,50 m de long. Donc ce carreau, je l'ai filmé avec un film professionnel de maraîcher. Donc fraises, quinconces, tous les trous dans les 50 cm. Et je mets des pics de cette manière-là, ici, pour juste coordonner les trous pour la plantation. Voilà, donc ensuite j'enlève le voile maraîcher et il reste les pics. Et maintenant, il ne reste plus qu'à planter. Alors, voilà le travail. Donc, ici, on a donc les butternuts. Ici, on a les petits marrons. Là, les patitous qui sont restés petits, mais je pense qu'ils vont exploser. Ici, on a donc les pâtissons. Et enfin, ici, les vifs d'estompe. Et puis, c'est une première pour moi, donc, de mon concept arbre. J'ai planté des courges vraiment au pied des arbres. On verra donc le résultat. Alors, j'en profite juste pour faire un tout petit rappel sur la plantation des courges. Donc, il faut faire d'abord un trou ici du double du diamètre, donc dans l'occurrence 8. Ensuite, on va bien arroser, on va faire un petit lac. Comme ça. Ensuite, je place ma courge déjà dans le sens où je veux qu'elles aillent, c'est-à-dire vers moi. Et on presse juste un peu la terre. Si je vois par exemple que la courge, elle penche trop, il suffit de ramener juste un peu de terre dessous là, pour qu'elle se stabilise. Voilà, donc cette terre, elle est magnifique. Donc, la courge aime bien des terres riches. En l'occurrence, ici, j'ai mis 2 poignées par mètre carré de fumier de volaille desséché. Alors, maintenant, je vais les laisser comme ça. Et puis, demain, donc, je les arrose. Et ensuite, je remets le paillage par-dessus. Je ne veux pas les stresser trop le premier jour. Donc avec l'eau que j'ai mis dans chacun des trous, cela suffira jusqu'à demain pour les arroser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne. À bientôt.